Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Et donc on va voir ensemble vite fait ce que peut donner donc du coup le nouveau Lightspeed. Comme vous voyez, donc du coup un Lightspeed a été annoncé. Donc on savait qu'il y avait des Lightspeed qui allaient venir, on savait juste pas quoi et quand. Donc là on a donc un Lightspeed pour faire BAM qui a été annoncé, donc comme les autres, niveau 85, Relic 5 et Ability 7. Je pense pas que ce soit la meilleure pack, franchement, surtout pour 20$, donc à peu près 20 balles. Je conseille pas, personnellement, je conseille pas vraiment. Les seuls persos qui sont à peu près intéressants, c'est Griff Karga et Mando, et c'est à peu près tout, et encore, c'est même pas obligatoire. Donc personnellement, moi je conseille pas. Pour 20 balles, c'est trop cher. Ils le font principalement parce que pour du coup, comme ils l'ont mis, c'est où, c'est là, voilà. Pour Bo-Katan Mandalore, mais vraiment, je vous conseille pas du tout, c'est... Je conseille vraiment pas. Donc il arrivera le 13 décembre, donc dans 9 jours si jamais vous le souhaitez. Après, à vous de voir si vous le faites ou pas. Sachant que je vous rappelle quand même, hein, l'event de Mando, de BAM, est faisable avec du G8, G9, hein, et sans état. Donc c'est juste, là c'est du surplus de fou. IG-11 est quasiment pas joué. Quill c'est pareil. C'est d'ailleurs, si vous jouez Quill ou IG-11, en général vous jouez forcément l'autre avec. En général, Cara Dune est joué vite fait sur Mon Mothma, sauf que Mon Mothma est un peu en déséquilibre actuellement avec Leia, donc du coup c'est un peu chiant. Et Griff Karga et Mando sont utilisés pour par exemple une bonne team BH. Le seul problème c'est que tu peux les monter assez facilement G12 sans trop de soucis et enfin voilà quoi, c'est pas non plus. Et pour BAM, comme j'ai dit, j'ai 9, habité 7, ça suffit largement pour le passer. Donc voilà, vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Moi perso, comme je vous l'ai dit, je le conseille pas, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce Lightspeed. Pour moi, ne serait-ce que pour le prix, il aurait mis moitié prix, donc à 10 balles au lieu de 20, ça serait déjà mieux, mais là, 20 balles, c'est trop. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, quand même. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.